l'utilisation des plaques a deux intérêts principaux. Le premier intérêt, c'est que quand on a juste une dizaine de plaques, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que la motteuse qui demande à être installée, branchée, dont le nettoyage est long, fastidieux, qui demande une technicité, une connaissance de la machine importante parce que il faut que le terreau soit vraiment au bon degré d'humidité, sinon ça fait de la bouillasse ou alors ça fait des mottes qui ne tiennent pas, etc. L'utilisation des plaques est beaucoup plus souple. La technique est relativement simple à acquérir. Ça peut être fait par des stagiaires, par des bénévoles, et puis on peut faire 5 plaques et puis après faire autre chose, revenir, etc., etc. Alors qu'avec les mini-mottes, c'était toujours les gros chantiers, minimum 2 personnes bloquées une après-midi, et puis on balançait des quantités, quoi. Le deuxième avantage, donc, c'est l'économie de terreau. L'utilisation des plaques permet de diviser par 5 la consommation de terreau par rapport à la mini-motte. Donc sur la ferme, ça représente 700-800 euros par an d'économie à peu près. Effectivement, ça boucherait peut-être un peu moins de terreau en plaques alvéolées, ça c'est clair. Bon, maintenant, il faut. Moi j'attache beaucoup d'importance à la vigueur et puis à la taille du plan quand même au repiquage. Hein, parce que de toute façon, on le voit bien sur une planche, si on a une partie qui est moins belle au repiquage, on a aussi un moins beau résultat à l'arrivée, quoi. C'est vrai qu'une motte, bon, c'est des mottes de 5, oui, 5, ça doit faire ça, ouais. Bah, ça fait aussi des beaux plans derrière, quoi. C'est facile derrière, quoi. Alors, ouais, ça coûte un peu plus cher en terreau. Bon. Le terreau, c'est un terreau à mottes. Et je trouve qu'il n'est pas du tout adapté pour faire des plants dans des plaques alvéolées. Il faut le presser énormément pour qu'il se tienne dans la plaque. Donc, si je continue à faire des plants en plaques comme on le voit là, je choisirai un autre terreau qui est plus adapté pour faire ça. Si tu ne le tasses pas et que tu veux planter la salade à la date planifiée, si la salade est un tout petit peu trop petite, quand tu sors la salade, elle explose, la motte, elle se délite et tu n'as plus que de la racine nue, quoi. Ça fait des plants qui reprennent mal parce qu'il y a tout le terreau qui est dans la plaque qui se délite, quoi. Le fait de mettre les plaques au sol, ça a un inconvénient, c'est qu'avec des racines plongeantes, en fait, la racine, elle traverse la plaque, elle va dans le sol, ce qui fait qu'on a des plants qui sont beaucoup plus difficiles à planter que quand c'est une motte où la motte est sur une plaque métallique, par exemple sur les tables à semis ou les trucs comme ça, et où la racine, en fait, va bien coloniser la motte, va bien la maintenir, et où on a des mottes qui sont bien serrées, bien faites. Là, on se retrouve très souvent avec des plants à quasi racine nue, c'est-à-dire où la motte est complètement exploser. Après, planter en racine nue, c'est pas dramatique, à condition qu'on puisse bien arroser derrière, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment le fait soit de les poser au sol ou soit de les mettre en table. D'une part, quand c'est en table, de toute façon, la racine, elle peut pas aller plus loin, donc c'est clair qu'elle colonise mieux, sans doute. Et puis après, je pense qu'il y a aussi il y a peut-être une amélioration de notre technique quant à la. Au fait de mieux tasser les plaques, et ça veut dire qu'il faut qu'on surveille peut-être mieux l'humidité du terreau. Je passe l'outil là, après je remets du terreau, je repasse, je retasse, et je dois faire ça 3 fois, voire 4, et je finis en général avec les mains. J'arrive pas, en fait, en voyant les autres vidéos là qu'on a vues entre les maraîchers, là, je pense peut-être que je tasse un peu trop, tu vois. Je pourrais peut-être gagner un peu de temps quand même sur. Je pense que c'est pas utile en fait que je mette autant de terreau et que je tasse autant. Je pense que je pourrais gagner une étape. Ça c'est un truc que j'ai du mal à évaluer, tu vois, le savoir s'il faut bien tasser, si c'est trop ou pas assez.
Donc, les semis, au niveau des plaques alvéolées, on les remplit pas comme nos collègues. On met une bâche, on met 18 plaques, on vide le sac de terreau entièrement, on l'étale, on en remet un peu pour égaliser. On prend deux plaques alvéolées, l'une imbriquée dans l'autre, et on pose et on marche carrément dessus. Et on déplace, on marche dessus, on déplace, ça va très très vite. On refoue un petit coup de terreau, on nettoie à la raclette, et on empile, on a nos 18 plaques, ça va quand même super vite. Tamara, elle était pas trop ok parce qu'elle préfère travailler sur table, ouais. Mais ça va plus vite dans le sens où tu prends ton sac, enfin 18 plaques on pourrait pas quoi, en étant penché en avant, alors qu'au sol ça se fait bien, et puis le sac t'as pas besoin de le monter, de le porter quoi. Et puis tu marches dessus, tu tasses bien quoi, alors que quand t'es penché en avant pour tasser, t'as pas de force. Donc voilà, je trouve que c'est... Enfin, oui, ça va, on a essayé les deux et au final ça va très vite, c'est bien quoi. Les contraintes de la mini-motte, c'est que comme il y a de la plaque, c'est que comme il y a moins de terreau, il y a moins de réserve de nourriture et d'eau. Ça veut dire qu'un bouchon, en été, s'il n'est pas arrosé dans les 24 heures, la plante est morte. Alors que la mini-motte, on peut dire qu'elle peut tenir deux jours. Donc à la motteuse, on reprend, on remet en caisse. Alors ce qu'on met aussi dans les caisses, bon ça on a l'opportunité de les avoir, on met toujours une feutrine qu'on humidifie au fond de la caisse. C'est important l'été parce que bon, quand on les arrose, la feutrine garde une part d'humidité et ça aide à ce que ça ressèche un tout petit peu moins vite, quoi. P17 systématiquement sur tous les semis pour garder l'humidité tout simplement pour pas que ça sèche quoi. Ça, ouais, ah oui, ça c'est indispensable. Bon, dès que c'est élevé, en général on le retire. Hein. On évite d'arroser avant la levée. Bon, ça c'est facile au printemps. Bon, c'est beaucoup moins facile en pleine canicule parce que dans les tunnels on n'arrive pas à les faire lever. Il fait beaucoup trop chaud. Ce qu'il faudrait faire, c'est, on le sait, c'est de mettre les plants quelques jours, le temps qu'ils germent, dans une pièce plus fraîche. Je ne le fais pas. Et ça, j'ai quand même des résultats relativement satisfaisants. J'ai peut-être des fois des plateaux, au lieu d'avoir 77 saades par plaque, j'en ai peut-être que 60. Mais globalement, je suis suffisamment satisfait. Ce que je fais peut-être un peu plus souvent en été, c'est que du coup, j'arrose ma serre à plants une fois le matin et une fois l'après-midi pour essayer de garder une température relativement fraîche. Quoi. Moi, je choisis de prendre de la graine enrobée. Parce que justement, ça va très très vite. Là, on prend quelques graines entre les doigts. On en fait tomber très rarement deux. Quand ça arrive, on peut la ressortir. Mais sinon, le geste est quand même beaucoup plus rapide qu'avec de la semence nue. Le taux de germination sur de la graine enrobée, dans ma situation en tout cas, c'est de l'ordre de 99%. Alors qu'avec de la graine nue, j'avais toujours des résultats plutôt autour de 60-70%. Et souvent, j'avais des salades à éclaircir parce qu'il y avait souvent 2-3 graines qui tombaient par motte, quoi. On essaie de faire des semis pour avoir des planches entières. On prend une marge vraiment grande, en fait. C'est 50%, je crois. Ouais, on prend 50% de perte. On a un taux de germination, tu avais calculé, c'était 85%. Donc là, on voit qu'il y a quand même des plaques qui ne marchent pas du tout, donc... Ces variétés-là, ouais. Généralement, on les élimine au fur et à mesure quand on voit que ce n'est pas des variétés trop intéressantes. De ce qu'on a vu des collègues, on est plus lente au niveau du semis, donc ce n'est pas au niveau du remplissage des plaques, c'est plus au niveau du semis, quoi. Vraiment le fait de ne pas avoir de graines enrobées et le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de variétés. Parce que quand on fait nos 10 plaques de salade pour une planche, on fait 10 variétés différentes. Voilà, donc changer de... Du coup, finalement, on se fait quand même, on a rarement 50% de perte. Donc au final, on prévoit pour une planche, mais on en met généralement un peu plus, quoi. On a plutôt une planche et demie.